Votre billet et votre passeport, s'il vous plaît. Madame, j'ai besoin de votre billet et de votre passeport. Margie, arrête de courir. Regardez, c'est Nyusha là-bas. Margie, c'est dingue comme tu as grandi. Est-ce que tu m'as ramené un cadeau? C'est comment Paris? Tu as vu Bruce Lee? Et la tour Eiffel, c'est comment? Bienvenue à Téhéran, ma chérie. Tu nous as tellement manqué. Laisse-moi prendre tes bagages. Non, c'est moi. Allez, allez, on nous attend. Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup. Bruce Lee était mon héros préféré. Je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions. Pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie. Tu sais, si tu veux connaître l'état de tes seins, tu mets un crayon en dessous. S'il tombe, c'est que t'as des super nichons. S'il reste coincé, c'est la merde. Sur un secoue, celle-là, c'est toute une boîte de crayons qu'on peut remplir. Eh oh, du calme! Ils m'ont laissé le voir la semaine dernière. Si tu avais vu son état. Il m'avait pourtant dit qu'il le libérerait. Ça va bientôt faire 4 ans. Ne t'en fais pas. Ce régime n'en a plus pour très longtemps. Tôt ou tard, ça va péter. Maman, Marie m'a mis un couteau dans ma tête. La vengeance du dragon, c'est un plat amer qui se mange froid. Eh bien, si le dragon ne s'arrête pas tout de suite, il va s'en prendre une. Moi, Marjane, futur prophète, est décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit avoir une bonne parole. Troisièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Quatrièmement, les pauvres doivent tous manger un poulet rôti par jour. Cinquièmement, plus aucune vieille ne souffrira. Eh bien, Margie, si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple. C'est vrai? Génial! Et dis-moi, comment tu vas faire pour que les vieilles ne souffrent plus? Ben, c'est simple, ce sera interdit. Oh, bien sûr, j'aurais dû y penser. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais dit! Je vous l'avais dit! Je l'avais dit! Nous sommes en train de vivre un moment historique. Il va enfin payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Oui, ma fille. Ton pauvre père va enfin être vengé. Le chat va pouvoir faire ses valises et rejoindre ses potes à Washington. Moi-même, je pense que j'aime le chat. Il a été choisi par Dieu. Si, absolument. C'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Dieu est la maîtresse aussi. Tout d'abord, le chat n'a pas été choisi par Dieu. N'importe quoi! La maîtresse! Chut. Tout ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du chat, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Qajar pour instaurer une république. Je ferai comme Atatürk! Je moderniserai ce pays et je ferai une république! Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Holy sure! Pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Moi? Empereur? Bien sûr, c'est mieux que président. Tu auras tous les pouvoirs. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête. Ce n'est pas faux. Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la République. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Maintenant, c'est moi, le roi. Tout ce qui est à vous m'appartient. Ah, mais en fait, c'était un connard. Oh! Oui et non. C'était un dictateur, mais il a réellement modernisé l'Iran. On peut dire qu'il aimait son pays, en quelque sorte. Pas comme son fils, qui lui a succédé. Le roi, c'est moi, maintenant. Je suis la lumière des Aryens. Je ferai de ce pays le plus moderne de tous les temps. Notre peuple retrouvera sa splendeur. Oui, le père du chat a été très dur. Il a même mis ton papy en prison. Mais son fils a été 10 fois pire. Quoi?
Papy a été en prison? Bah oui. Il était de la famille royale. C'était un prince Qadjar. D'ailleurs, le père du chat lui a pris tout ce qu'il avait. Oui, enfin, il est allé en prison surtout parce qu'il était communiste. Mon papy était un prince Qadjar et aussi communiste. Encore vivant. J'étais morte d'inquiétude. Oh là là, ils ont tiré sur les gens. C'était chaud, mamie. C'était chaud. On s'est enfui avec Tadji, mais on s'est fait coincer quelques rues plus loin par les soldats. Ces fils de pute m'ont confisqué mes pellicules. On a passé des heures au commissariat. Ah, Margie était surexcitée. Tout l'après-midi, elle m'a bassiné avec les prolétaires et les péquenots et la lutte des classes et l'autre barbu, là, le Che Guevara. Le type qui a été tué à côté d'eux, il n'avait même pas 20 ans. Mais c'est quoi ce pays? Ce pays, en ce moment, c'est la merde, ma fille. Ah, bah, le chat. Et c'est reparti. Ah, bah, le chat, Margie, le chat. Au lit, tout de suite. Ah bah le chat. J'ai compris votre révolte. Nous allons essayer tous ensemble de marcher vers la démocratie. Nous bâtirons l'avenir, main dans la main. Siamak, ils t'ont libéré. Bonjour, Ebi. C'est Siamak. Il est revenu. Bonjour, Tadji. Entre. Nous sommes si heureux de te voir vivant. Entre. Mais entrez donc. Ne restez pas devant la porte. Oh, mais c'est Marjane. Comme tu as grandi. Quand on m'a arrêté, tu n'étais encore qu'un bébé. Et maintenant, te voilà devenue une vraie demoiselle. Qui c'est, ce type? C'est mon père. Il était en prison. C'est un héros. C'était des scientifiques. Ils connaissaient chaque partie du corps. Ils savaient frapper là où c'était le plus douloureux. On m'a tellement fouetté avec de gros câbles électriques que maintenant mon pied ressemble à tout, sauf à un pied. Et pourquoi? Parce que sous les pieds, il y a des nerfs qui vont directement au cerveau. La souffrance est indescriptible. Nos bourreaux avaient été spécialement entraînés par la CIA. On peut dire qu'en matière de torture, ils étaient à la pointe. Et Hamid, qu'est-ce qu'il est devenu? Hamid, il a été assassiné. En tant que membre de la guérilla, il a connu l'enfer. Il avait du cyanure sur lui, au cas où on l'arrêterait. Il a malheureusement pas pu l'utiliser. Alors il a subi les pires tortures. Celui qui perd sera torturé à mort. Ah ouais, c'est cool! Qu'est-ce qu'on fait comme torture? Il sera fouetté avec le gros câble électrique sur la tête. Mais avant, il devra mettre ça dans sa bouche et mâcher 3 fois. Ouais! Regardez, c'est Ramin. Farzad m'a dit que son cousin lui a dit que son père était des services secrets du chat. Son père a tué 1 million de personnes de ses propres mains. 1 million? Absolument. Au nom du million de morts, nous allons donner une bonne leçon à Ramin. Ouais, on va lui crever les yeux. Margie!
Jeanne! Qu'est-ce que vous faites encore? Marjorie a trouvé des clous. On va casser la tête à Rami. Non, on va lui crever les yeux. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, si je te clouais au mur, par les oreilles? Tu rentres à la maison, tu vas dans ta chambre, et tu ne ressors pas tant que je ne t'ai pas permis. Oh, Jeanne, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu, le père de Ramin a tué des gens. Oh, Jeanne, ce pauvre petit Ramin n'y est pour rien. Il ne doit pas porter le poids des fautes de son père. Les méchants paieront tôt ou tard pour leurs méfaits. Fais confiance à ma justice. Ce n'est pas à toi de le faire. Ton devoir est de pardonner. Ramin? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ton père est un assassin, mais tu n'y es pour rien. Alors, je te pardonne. C'est pas un assassin, il a tué des communistes, et les communistes, c'est le diable! Durant les quelques mois qui suivirent le départ du chat, le pays traversa une période d'euphorie. Tout le monde avait été révolutionnaire, tout le monde avait combattu le chat. La tache de vin sur le visage de notre voisine s'était miraculeusement transformée en blessure de guerre. Notre institutrice, fervente admiratrice du chat, nous ordonna d'arracher toutes les photos de la famille royale dans nos livres scolaires. Les meetings politiques fleurissaient un peu partout, et les ennemis intérieurs d'hier étaient maintenant devenus des héros de la nation. C'est dans ce climat de joyeux chaos qu'un soir, oncle Anouche entra dans ma vie. À partir de maintenant, tout ira pour le mieux. Plus rien ne pourra arrêter le peuple. Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté. Comme l'avait prédit Lénine, le prolétariat régnera. Oncle Anouche, t'as passé combien de temps en prison? 9 ans, mon enfant. Ah ouais? Plus que le père de Lali? T'as quel âge? Tu as une femme? Tu es communiste? Margie, laisse à ton oncle le temps de digérer. La petite veut toujours tout savoir. Tu as raison. C'est bien d'être curieuse. Ça y est, t'as digéré? Bon, Marjane, il est temps d'aller au lit. Mais... Ne t'en fais pas. Mets ton pyjama et je viens te raconter tout ça. Tu as vu qu'ils préparent les élections pour bientôt? Il faut faire confiance aux gens. Après toutes ces années de dictature, ils feront tout pour conserver leur liberté. De toute façon, ça pourra jamais être pire que sous le chat. Ça y est, je suis prête. Tu vas voir. Elle va te bouffer la cervelle. Je suis prête. Donc, je commence par le début. J'avais 18 ans quand mon oncle Feridoun et ses amis ont proclamé l'indépendance de la province iranienne d'Azerbaïdjan. Wow. Feridoun se nomma ministre de la justice de cette nouvelle petite république. La justice est la base de la démocratie. Les hommes doivent être égaux aux yeux de la loi. Je devins son secrétaire, car je partageais ses idées. Anouche, ce n'est qu'un commencement. Nous libérerons l'Iran de la dictature du Shah, province par province, ville par ville. J'en suis persuadé, mon oncle. Ça n'a pas été facile pour moi de le suivre, car mon père était, lui, fidèle au Shah. Mon fils est un traître! C'est ça! Va rejoindre mon crétin de frère! Vous finirez tous fusillés! Tu m'entends? Fusillés! Mon père ne croyait pas si bien dire. Et un matin... Mon Dieu! Feridoun! J'ai dû m'enfuir. Je n'avais pas le choix. Tandis que mon oncle affrontait seul son destin. Pendant des jours et des jours dans la neige et la tempête. J'avais faim, j'avais froid, mais je continuais. J'ai traversé les montagnes d'Alborz pour me réfugier chez mes parents, à Astara. Qui ose me déranger à cette heure? Mon Dieu, Anouche! Mon Dieu, Anouche! C'est notre fils, il est presque mort. Mon fils chéri! Mon fils! Mon fils chéri! Pardonne-moi! Je ne pouvais pas rester chez eux. L'armée du chat me recherchait. J'ai dû m'exiler. J'ai traversé la rivière Aras à la nage et je suis arrivé en URSS. Qu'est-ce que tu as fait après? Je suis allé à Leningrad,
Puis à Moscou, j'ai fait mon doctorat en marxisme-léninisme. Mais plus le temps passait, plus ma famille me manquait. J'ai essayé de rentrer en train en me déguisant et avec de faux papiers, mais ça n'a pas marché. Ils m'ont arrêté. Et après, t'as été en prison ? Eh oui. Tu sais, si je te raconte tout ça, c'est que c'est important que tu saches. La mémoire de la famille ne doit pas se perdre. Même si ce n'est pas facile pour toi. Même si tu ne comprends pas tout. Ne t'inquiète pas, oncle Anouche. Je n'oublierai jamais. Et tu étais marié en Russie ? Il est tard maintenant. Il faut dormir. Tiens, c'est pour toi. Je l'ai fabriqué moi-même en prison. Il est en mie de pain. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique. C'est normal. Chaque révolution a sa période de transition. La moitié du pays est illettrée. Le nationalisme ou la morale religieuse sont les seules choses qui puissent rassembler les gens. Mina et toute sa famille ont quitté le pays. Ils pensent que c'est trop dangereux de vivre ici. Ils ont retrouvé Mohsen noyé dans sa baignoire. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Siamak et sa famille ont dû fuir le pays. Ces salopards ont tué sa sœur. Ebi, il faudrait peut-être qu'on quitte le pays, nous aussi. Pourquoi ? Pour que tu deviennes femme de ménage et moi chauffeur de taxi ? Nous nettoierons le pays des éléments antirévolutionnaires. Entre eux et nous, il n'y a qu'une loi, celle du sang. Dix minutes. Quelle belle robe. Quelle jolie petite fille. Tu es la petite fille que j'aurais rêvé avoir. Mais tu verras. Un jour... le prolétariat régnera. Tiens, je t'ai fait un autre signe en mie de pain. C'est le tonton du premier. Ne sois pas triste. Toi, ta gueule. Ils l'ont tué et tu n'as rien fait. Je n'y suis pour rien. Ce sont les Tais-toi hommes. Je veux plus jamais te revoir. Va-t'en. 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 Un an après la révolution, l'Irak attaqua l'Iran. Saddam profita de la faiblesse du pays pour frapper. La révolution et les purges massives opérées dans l'armée nous avaient terriblement affaiblis. Au nom de la lutte contre l'ennemi extérieur, l'État iranien extermina l'ennemi intérieur, c'est-à-dire les anciens opposants au régime du Shah. Les arrestations et les exécutions devinrent monnaie courante. Tout le monde avait peur. Le nouveau gouvernement en profita pour instaurer des lois encore plus répressives. En 2 ans, notre quotidien changea de visage. Et nous aussi. Allez les enfants, sur le cœur pour nos martyrs. Fils et fils de l'Iran, la guerre a tué nos meilleurs enfants.
La vérité surgira bientôt de leur sang. Pour qui sont-ils morts? C'est pour nous. C'est pour nous. Martyr! 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 Achevez-moi! Achevez-moi! Sarabi, qu'est-ce que tu fais encore? Je souffre, ça ne se voit pas. Allez en classe, tout de suite! Le voile est synonyme de liberté. Une femme digne est une femme qui se couvre du regard de l'homme. Celle qui se montre est dans le péché et brûlera dans les flammes de l'enfer. Nos soldats meurent tous les jours aux frontières pour sauver notre cher pays de l'indécence. Regarde. En portant bien vos voiles. Ah bah, c'est pour les nunuches. Que vous respectez leur sang et que... Sortez tout en rang. Allez, plus vite! Hey maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tiens, et si on mangeait un bon chili? Ah ouais, et comme ça après on va péter. Oh. Rendez-moi ça! Je vous dis que je l'ai vu avant vous! C'est ça, salope! Mais arrêtez enfin! Il suffit que les magasins soient vides un seul jour pour que vous entre-dévoriez. Si chacun prenait selon ses besoins, il y en aurait pour tout le monde. Mais de quoi elle se mêle celle-là? On t'a demandé ton avis, toi? Ramène bien ton foulard, ma sœur. Hé, je te parle. Monsieur, on ne dit pas « je te parle », on dit « je vous parle ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, te respecter? Les femmes comme toi, je les baisse contre les murs et je les jette aux ordures. Monte. Oui, ma chérie, ça va. T'avances ou quoi? Ta gueule, connard! Absolument que tu me donnes 50 tomans. Ah oui? Mais pourquoi faire? Golnaz m'a dit qu'il y a des mecs qui vendent des cassettes sur l'avenue Gandhi. Mais des cassettes des Bee Gees? Mais maman, c'est nul, les Bee Gees, quoi. Stevie Wonder. Julio Iglesias. Pink Floyd. Michael Jackson. Roger Love. Werner Engel. Carte à jouer. Iron Maiden. Eh, hey, c'est combien pour ça? 100 tomans. 50. 60. 50. 60. 50. 50. Et toi, c'est quoi cette tenue?
C'est quoi ces chaussures de punk? Quelles chaussures de punk? Ça, là. Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Ce symbole de la décadence occidentale. Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X. Tu te fous de moi? C'est Michael Jackson. Baisse ton foulard, petite pute. Allez, ça suffit. Tu viens avec nous au comité. Pardon, madame, je ne commencerai plus. Madame, ma mère est morte. C'est ma méchante belle-mère qui s'occupe de moi. Si je rentre pas tout de suite à la maison, elle me tuera. Elle me brûlera pour faire rester. Elle obligera mon père à me mettre dans une orphelinat. Pitié. Pitié, madame. Pitié. Pitié. Pitié, j'ai pitié, madame. Ouf. I'm the master of the monsters. Faites une tête, madame Nasrin. Ça ne va pas? Non, ça va pas. À l'école, ils ont donné ça à mon fils. Ils leur ont dit que s'ils combattaient et qu'ils avaient la chance de mourir, ils entreraient au paradis avec cette clé. Cette clé en plastique. On lui a raconté qu'au paradis, il y avait de la nourriture en abondance, des femmes, des maisons en or et des diamants. Des femmes? Ben oui, il a 14 ans, ça l'intéresse. J'ai beaucoup souffert. J'ai élevé mes 5 enfants avec les larmes de mes yeux. Maintenant, ces messieurs veulent me prendre mon aîné contre cette clé. Toute ma vie, j'ai été fidèle à la religion. Toute ma vie, j'ai prié. Je me suis voilée, j'ai obéi. Si c'est ça, alors je peux plus croire en rien. C'est moi. Vous êtes au courant? Ils ont arrêté les Rochani. Ils ont débarqué chez eux et ils ont trouvé de l'alcool et des cartes pour à jouer. Pour qui vous couvrez-vous, madame Nasrin? Bah, pour monsieur. Vous savez, nous, on a été élevés comme ça. Ne vous inquiétez pas. Amenez-moi votre fils, je lui parlerai. Grâce à mes parents, le fils de Madame Nasrin n'alla jamais au front. Entre la peur des bombardements, la répression du régime et l'espionnage des voisins, la vie poursuivait tant bien que mal son cours. Pour que cela soit psychologiquement supportable, les gens faisaient la fête, à l'abri des regards. Les fêtes étaient souvent bien arrosées. L'alcool étant naturellement interdit, mon oncle était devenu le pourvoyeur en vin de la famille. Il s'était aménagé un véritable laboratoire de vinification dans sa cave. Madame Nasrin, qui était également la femme de ménage de mon oncle, l'aidait à presser le raisin. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Aller à ces fêtes n'était pas sans danger. Mais c'était le seul petit espace de liberté qu'il nous restait. Allez, descends. Papier d'identité, carte grise, permis de conduire. Ok, ok. Approche-toi. Souffle. T'as bu? Non, pas du tout. Tu te fous de moi? Ça se voit à ta cravate, espèce de sale ordure occidentalisée. Ça suffit, petit. Ça fait 20 ans que je travaille pour ce pays et tu oses me parler comme ça? Pardonnez-le. La ferme. Écoutez, je pourrais être votre mère. Quel âge avez-vous? 15 ans? 16 ans? Ma fille en a 13. Heureusement pour toi qu'il y a ta femme, sinon tu serais déjà en enfer. Merci. Mille merci. Allez, monte. On va aller chez toi pour voir s'il y a des bouteilles. Mamie, Margie, quand on arrivera, montez les premières. Je vais essayer de les retenir. Vider toutes les bouteilles d'alcool. Mais comment? Ne te bide pas, ma fille. J'ai l'habitude avec ton défunt père. Tout le temps, il fallait cacher ses tracts. Écoutez, le voisin de palier est un peu vieux. Il est cardiaque. Si on fait du bruit, il risquerait de mourir. Peut-être qu'on peut s'arranger autrement. C'est peut-être pas la peine. Oh, vous allez où les deux, là? Je suis diabétique, mon fils. Si je ne bois pas un peu de sirop, je vais m'évanouir. Diabétique? Comme ma mère. Bon, ben, allez-y.
Bah, ils sont où les autres? Tu parles. Leur arrogance n'a rien d'idéologique. Quelques billets ont suffi à leur faire tout oublier. Dites, vous n'avez pas tout jeté? Bah si. Eh merde. Η ΕΡΤ και τα κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και ΘΕΑ στην κρίση απαντούν με αλληλεγγύη. Και η ζωή είναι εντάξει. Αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ ζωντανά στην Ετένα. Ils voulaient arrêter les communistes qui se cachaient dans notre quartier. Ils ont lancé une grenade. Taher n'a pas supporté. Quand je suis arrivée dans le salon, il gisait par terre. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Mais non, tout n'ira pas bien. On doit lui faire une opération à cœur ouvert. Ils n'en ont pas les moyens ici. Ils disent qu'il faut l'envoyer en Angleterre. Je suis allée voir le directeur administratif de l'hôpital. Vous n'allez pas me croire. Vous savez qui c'était ? Mon ancien laveur de carreaux. J'ai fait mine de ne pas le reconnaître pour ne pas qu'il se sente humilié, cet abruti. Avec les frontières fermées, seules les personnes gravement malades peuvent quitter le pays. Mon mari vient de faire sa troisième crise cardiaque. Il doit être opéré à l'étranger. Il va mourir sinon. Nous ferons de notre mieux. Si Dieu le veut, il va guérir. Tout dépend de Dieu. J'ai besoin de votre autorisation pour qu'il obtienne un passeport. Si Dieu le veut bien. Ce connard de laveur de carreaux s'est mis une barbe et un costard. Et le voilà directeur. Le destin de mon mari dépend d'un laveur de carreaux. Maintenant, il est tellement religieux qu'il ne regarde plus les femmes dans les yeux. Pauvre con. Je connais quelqu'un qui fabrique des passeports. J'y vais. Je vais voir ce que peut faire le type. Calme-toi. Tu vois, ça va s'arranger. Papa, attends, je viens avec toi. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Regarde ça, Evie. On dirait un vrai, non? Un mois de travail, rien que pour ce tampon officiel. Mais t'es mignonne, toi. Bah, comment tu t'appelles? Il te faut combien de temps pour finir un passeport? Un passeport? Très demandé, les passeports. Depuis qu'ils ont fermé ma maison d'édition, je vis sur tout ça. Normalement, ça prend 15 jours. Mais moi, je peux te le faire en une semaine. Parfait. Mais fais-le vite. Ben, n'ayez pas peur, c'est Niloufar. Je te présente Evie. Le frère d'Anouche dont je t'ai parlé. Bonjour. Elle aussi, elle est communiste. On la recherche partout. Son frère était mon coursier, alors je la cache dans ma cave. Il n'y a qu'ici qu'elle est en sécurité. Quelle merde ce truc! Ces Japonais, à part se trancher le ventre avec leurs sabres et faire des monstres dégueulasses, ils ne savent rien faire. Mamie, tu penses vraiment qu'oncle Taher va mourir? Bien sûr. Ah bon? Tu crois? Bah, s'il ne trouve pas de passeport pour partir, il va y passer. Eh oui, il n'aurait pas dû autant fumer. Ça, c'est des conneries. S'il a le cœur malade, c'est pas à cause des cigarettes. C'est parce que ses enfants sont loin de lui. Une barquette de fèves bien brûlante, s'il vous plaît. Les enfants finissent toujours par partir, c'est normal. Mais être obligé de se séparer de ses gosses quand ils n'ont que 13 ou 14 ans à cause d'une guerre absurde, ça briserait le cœur de n'importe qui. Si j'étais à la place de Taher, je serais déjà morte et enterrée depuis longtemps. Que Dieu extermine tous ces barbares. Que Dieu vous entende.
Allô? Ah, Rosso, c'est toi? Alors, pour le truc, t'en es où? Ils ont arrêté Niloufer! Ils ont tout cassé chez moi, je dois m'enfuir! Allô? Rosso? Allô? Niloufer fut exécuté. Rosro prit la fuite par les montagnes de Turquie et s'exila en Suède. Trois semaines après ces événements, oncle Taher fut enterré. La guerre s'intensifia. Laissez-moi passer. Pardon. Pardon, laissez-moi passer. Tu peux pas passer. Mais j'habite là-bas. Vas-y. Margie, maman. Maman, tu n'as rien? Non, ma chérie, tout va bien. Le missile, il est tombé où? Chez les Baba Lévi. Hein? Les Baba Lévi? Depuis que notre nouveau gouvernement a été instauré, nous n'avons plus de prisonniers politiques. Madame. Nous avons payé cher pour notre liberté, mais nous l'avons enfin acquis. Madame. Quoi encore, Satrapi? Mon oncle a été emprisonné sous le régime du Shah. Par contre, c'est le nouveau régime qui a ordonné son exécution. Vous dites qu'on n'a plus de prisonniers politiques alors que de 3000 détenus sous le Shah, on est passé à 300 000 avec vous. Comment osez-vous nous mentir comme ça? Arrêtez ça! Arrêtez ça! C'était qui? C'était la directrice de l'école. Apparemment, Margie a remis la prof de religion à sa place. Encore? Eh oui, elle tient ça de son oncle, cette petite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'elle finisse comme son oncle? Exécutée? Tu sais ce qu'ils font aux jeunes filles quand ils les arrêtent? Tu sais ce qui est arrivé à Niloufer? Tu sais ce qu'ils lui ont fait? Tu sais que selon la loi, on n'a pas le droit de tuer une vierge. Alors on la marie avec un gardien de la révolution. Et il la dépêche à la bande de l'exécuter. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends? Si quelqu'un touche un de tes cheveux, je le tue! Ainsi, quelques jours plus tard, ils décidèrent de m'envoyer à l'étranger. Comme j'avais fait une bonne partie de ma scolarité au lycée français de Téhéran, j'allais intégrer le lycée français de Vienne, en Autriche. Mon père réussit à m'avoir un visa, et la meilleure amie de ma mère, qui habitait là-bas avec sa famille, devait m'accueillir. La veille de mon départ, ma mamie vint dormir chez nous. Tous les matins, elle cueillait des fleurs de jasmin qu'elle mettait dans son soutien-gorge pour sentir bon. Quand elle dégrafait son corsage, les fleurs tombaient de ses seins. C'était magique. Mamie, comment tu fais pour avoir des seins aussi ronds à ton âge? Je les mets 10 minutes chacun dans un bol d'eau glacée tous les jours. Tu me manqueras. Je viendrai te voir. Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Tu verras, tout ira bien. Pas de larmes, pense à ton futur. L'Europe s'ouvre à toi. Et dès que tu arrives à Vienne, tu manges un Zachertorte. C'est un gâteau au chocolat exquis. Et puis on viendra te voir. Tu es une grande fille. Pas de larmes. Papa. Assez, tu dois partir. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Ma fille. Maman. Ma petite Margie. Thank you.
Et l'Europe s'ouvrit à moi, mais pas exactement comme je l'avais imaginé. Après avoir passé quelques jours chez l'ami de ma mère, elle décida que tout compte fait, leur appartement était trop petit pour m'accueillir. Elle s'empressa de me trouver une pension où je serais très bien, d'après elle. Mir souhaite was essen? De quoi? Was? Hein? Je retrouvais non sans bonheur les rayonnages débordants des produits qui avaient depuis longtemps disparu dans mon pays. D'ailleurs, pendant un moment, aller au supermarché fut un de mes passe-temps favoris. Bref, il était urgent que je me fasse des amis. Fort heureusement, au lycée français, je pouvais comprendre les autres et éventuellement me faire comprendre. Take-up. Je devins très vite un centre d'intérêt pour les marginaux du lycée. Il y avait Momo, Thierry, Olivier et Ève. Ma nationalité et mon histoire les fascinaient. T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais? Et t'as vu beaucoup de morts? Quelques-uns. Waouh. Balèze. Je fis rapidement partie de la petite bande. Avec Momo, je découvris la nonchalance, le concept du nihilisme forcé et la vie alternative viennoise. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal à m'y faire. Et puis après tout, pourquoi pas ? Je finis par me persuader que j'avais trouvé ma place au milieu des autres. Mais je restais différente d'eux. Et les vacances scolaires se chargeaient bien de me le rappeler. Eh merde, encore Noël. Je vais encore devoir me taper toute ma famille. Tout ça à cause de cette connerie d'invention américaine. Si le Père Noël, il est habillé en rouge et blanc, c'est parce que... C'était une mascotte de Coca-Cola. Qu'est-ce que je vais m'emmerder avec mes parents à Monte-Carlo ? Monte-Carlo, ça va encore ? Je te dis pas la galère. Moi, je dois aller voir mon père au Brésil. J'ai au moins 13 heures de vol. Les vacances, c'est juste des miettes pour les prolos. Si au début du siècle, les anarchistes, ils avaient vaincu, on bosserait plus du tout. Alors, ma chérie, tout se passe bien? C'est bien. Et qu'est-ce que tu fais pour Noël? Alors? Elle va passer Noël avec des amis du lycée. Fais attention à toi! Tu n'as besoin de rien? Tu as raison, profites-en. Je t'embrasse. Et n'oublie pas de manger des fruits et des légumes. Gehen. Ja. Ja. Das ist aber nicht möglich. Ja. Sie sind wirklich der beste Boss. Ich glaube. Et alors, c'est un comportement, ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'on mange? Tout le monde mange en regardant la télé ici. Peut-être. Mais on ne mange pas dans une casserole, c'est dégoûtant. C'est donc vrai ce que l'on dit. Les Iraniens n'ont aucune éducation. Et c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Que vous étiez toutes des prostituées avant de devenir bonnes sœurs. Oh, oh. Cet incident marqua le début d'une longue série de déménagements. Je valsais d'appartement en appartement. Tout d'abord, Ève et sa mère m'accueillirent chez elles. Puis je cohabitais avec 8 homosexuels. Ensuite, j'occupais une minuscule chambre de bonne à Florianigas, puis chez des amis, puis chez des amis d'amis, pour échouer enfin dans la villa de Frau Dr. Schloss, 13 rue Grongas. Frau Schloss était professeur de philosophie à la retraite. Pour tout dire, elle était un peu cinglée.
loyer pour la chambre est de 2000 shillings par mois. Vous aimez les chiens, n'est-ce pas? Oui, oui, je les adore. Je vois que Yuki vous a adopté. Mais vous savez, les chiens ont un sixième sens. Ils savent reconnaître les gentilles personnes. Durant l'année qui suivit, je décidai de m'intégrer pour de bon. Sous certains aspects, la culture occidentale restait un grand mystère pour moi. Il fallait donc que je m'instruise. De Sartre à Bakounine, en passant par Zweig et Freud, j'ai lu tout ce que j'ai pu. Mais bon, j'ai bien compris que certaines choses m'échapperaient à jamais. Vous avez vu? Ce gros port de Waldheim était... Ouais, n'importe quoi. C'est à vomir. Ça me donne envie de gerber. Ça ne peut pas se passer comme ça. Faut vraiment qu'on aille tous à la manif demain. De toute façon, tout ça, c'est du vent. La vie est néant. Quand un homme prend conscience de ce vide, il peut plus vivre. Alors il invente des jeux de dirigeants et de dirigeants. N'importe quoi, toi. L'existence n'est pas absurde. Tu sais qu'il y a des gens qui donnent leur vie pour la liberté. Tu crois que mon oncle est mort juste pour s'amuser? Connard, là. Mon désarroi était immense. J'étais à l'abri ici, menant une vie frivole, tandis que tous ceux que j'aimais vivaient dans l'enfer de la guerre. J'avais beau essayer, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Tout ce que je voulais était vivre comme une fille de mon âge. Le temps du changement approchait. En quelques mois, la gamine que j'étais devint une jeune femme. Ce fut une période de laideur sans cesse renouvelée. Tout d'abord, je grandis de 18 cm. Puis ma tête changea. Mon visage s'allongea, puis mon œil droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche. Mon nez tripla de volume. Ma poitrine se développa, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez. Ach, Schatzi, Liebling, Schatzeleinen. Tu vois, Yuki, je te l'avais dit. C'est une prostituée. Ach, ach, mein Schatzi. Putain, quelle musique de merde. De toute façon, il n'y a que des connards. Ouais. Tu vois, tout ce que voulait Bakounine, c'était de faire voter les résolutions socialistes au congrès des démocrates bourgeois à Genève. Ah ouais. S'il avait réussi, on n'en serait pas là, quoi. Ah, ouais. Ah bon? Le capitalisme ronge notre société. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Enfin, ben voilà. Et dis-moi d'où tu viens. Marie-Jeanne, c'est ça, non? Ouais, ouais. Je viens de... Je suis française. Ah ouais, j'aurais pas cru. Ah, tiens, l'année dernière, j'étais à Paris. Tu connais? Attends, excuse-moi, je dois aller voir mes amis. Ah, ouais. Oh, bah, salut. Alors, comme ça, tu es française? Mamie, arrête. Non, c'était juste une question. Je savais pas que t'étais française, c'est tout. Si tu crois que c'est facile d'être iranienne ici, dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus. Tu penses que c'est une raison pour renier tes origines? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Reste intègre à toi-même. Vous savez ce qu'elle a raconté à mon frère? Elle lui a dit qu'elle était française. Non. Si, je t'assure. Et ton frère l'a cru? Tu parles, t'as vu sa gueule? Qui pourrait croire qu'elle est française? Et ton frère voulait la draguer ou quoi? N'importe quoi. Ça va pas, non? Je me suiciderais si mon frère sortait avec un ton. Vous allez fermer vos gueules, bande de connes! Et oui, je suis iranienne! Et oui, je suis fière de l'être! Après 3 années passées en Autriche, je me sentais enfin bien dans ma peau. Momo, Thierry, Ève et Olivier étaient maintenant partis du lycée. J'avais de nouveaux amis. Il y avait Birgit, une hippie d'une trentaine d'années avec une tête de vieille enfant. Elle avait une maison dans la forêt où elle organisait des fêtes baptisées « Fêtes anarchistes ». L'État n'avait bien entendu aucune raison de s'inquiéter car ces réunions dites anarchistes consistaient surtout à boire de la bière et manger des saucisses. C'est lors d'une de ces soirées que j'ai rencontré Fernando. En le voyant, je sus que c'était l'homme de ma vie.
Marjane, tu es là? Ah, cette nuit, j'ai enfin compris. C'est grâce à toi. Tu m'as révélé à moi-même. Et si ça marche pas avec toi, ça marchera avec aucune fille. Je le sais maintenant. Je suis homosexuel. Ah, et c'est bon de le dire. Merci, Marjane. Merci. De rien. Après ce revers pathétique, je jurais que l'on ne m'y reprendrait plus. On ne m'y reprendra plus. Et puis l'amour est un sentiment petit bourgeois. Ah ! Mais life is life, comme chantaient les autres nazes à l'époque. Et un matin du mois de novembre, ce fut au tour de Marcus d'entrer dans ma vie. Tu veux que je te raccompagne ? J'avais enfin trouvé l'amour. Plus rien ne m'effrayait et l'avenir me paraissait radieux. Marcus allait être un grand écrivain. Nous nous retrouvions dans sa chambre où il me lisait les extraits de sa pièce. Nous ne faisions qu'un. Attends, je vais tout t'expliquer. C'est pas ce que tu penses. Marjane, je t'aime. Je t'aime. Je ne retrouve plus ma broche. Je suis sûre que c'est vous qui me l'avez volée. Pas maintenant. Laissez-moi tranquille. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça, espèce de folleuse. Va au diable. Je te déteste. Je te hais. Toi et ton connard de chien. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça de Yuki. Où allez-vous? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Va te faire foutre! Espèce de fourneuse! Rendez-moi ma broche! Je vais appeler la police! Revenez! Revenez! Comment j'ai pu être si conne? Ce salopard m'a bien embobinée. Je suis conne, conne, conne! Comment j'ai pu tomber amoureuse de ce mec, de cette pourriture, ce radin? Tu veux que je te raccompagne? D'accord. Je dois faire le plein, on fait moitié-moitié pour l'essence. En plus, il avait une haleine de merde, ce trou du cul avec son caractère à la con. Putain, t'es conne ou quoi? J'ai hyper mal à l'œil. T'es voir mon doudou? Non, c'est bon. Connard prétentieux, écrivain mon cul, oui, avec sa pièce merdique. C'était nul. Ce fils de pute n'avait même pas de couilles. Ce lâche ne m'a même pas défendu devant sa pétasse de mère. Yo, ist nicht ein Nuttenhaus! Was macht sie hier? Sie muss rausgehen! Ja, Mutter. Une couille molle, oui. Et maintenant que j'y pense, c'est toujours moi qui allais acheter du shit. Ce morveux restait tranquillement dans la voiture à m'attendre. Ça l'aurait pas dérangé que je me fasse arrêter, hein? Quelle conne j'ai été, mais quelle conne!
J'avais connu une révolution qui m'avait fait perdre une partie de ma famille. J'avais survécu à une guerre. Et c'est une banale histoire d'amour qui a failli m'emporter. Ça y est? On se réveille? Eh bien, dis donc, vous l'avez échappé belle. Vous avez eu de la chance qu'on vous trouve avec le froid qu'il a fait. Vous avez fait plusieurs bronchites. Je vous interdis formellement de fumer une seule cigarette. Bien. Votre nom? Satrapi. Prénom? Marjane. Vous habitez où? En Iran. En Iran? Je peux téléphoner? Allô? Papa? Marjane, c'est toi? On était morts d'inquiétude. Ça fait 2 mois qu'on est sans nouvelles. Papa, je peux rentrer? Mais bien sûr. Promettez-moi de ne pas me poser de questions. Je te le promets. Je te passe ta mère. Marjane? Maman, ne pleure pas, je t'en prie. Rentre à la maison. Nous t'attendons. Maman? Personne ne te posera aucune question. C'est promis. Ma sœur, vous n'avez rien interdit? Port, alcool, jeux de cartes, musique, film, mode, porno? Non, monsieur. Remets bien ton voile, ma sœur. Oui, monsieur. Tu peux y aller. Regarde, c'est Margie, ma petite fille. Je ne t'avais pas reconnue. Tu es là. Comme tu as grandi. Tu es là. A casa mia io parlo il dialetto, è un modo di pensare il dialetto, no? Se è vivo, se è vero, sto bene. Le matin, en me réveillant, j'ai retrouvé les montagnes d'Alborz. Il avait neigé. Mon père se demandait s'il allait, oui ou non, mettre les chaînes à sa voiture pour se rendre au bureau. Nous prîmes le petit déjeuner ensemble, comme nous avions l'habitude de le faire avant mon départ. Ma mère m'avait préparé mon omelette préférée, celle à la tomate. Rien n'avait changé, et pourtant je le savais au fond de moi. Plus rien ne serait comme avant. Nous discutâmes de choses et d'autres. Mes parents respectèrent mon souhait et ne posèrent aucune question concernant Vienne. J'étais presque mal à l'aise et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le cauchemar était derrière nous. L'avenir allait peut-être enfin s'éclairer, maintenant que la guerre avait cessé. La guerre est terminée, c'est sûr. N'empêche que maintenant, c'est presque pire. Les gens ne savent même plus pourquoi il y a eu 8 ans de guerre. Ebi, laisse-la souffler. Elle vient juste d'arriver. Non, non, maman, ça va. L'Occident a vendu des armes aux 2 camps et nous avons été assez bête pour rentrer dans ce jeu cynique. 8 ans de guerre, pour rien. 1 million de morts, pour rien. Les derniers jours de la guerre ont été atroces. 1 mois avant l'armistice, l'Irak s'est mis à bombarder Téhéran tous les jours. Comme s'il fallait la rayer de la carte. Juste avant le cessez-le-feu, le régime a pris peur car une armée d'opposants était entrée en Iran par la frontière irakienne. Le gouvernement a craint la menace que représentaient les dizaines de milliers de prisonniers politiques. L'État a donc décidé d'en finir avec cette histoire de manière radicale. Il a proposé aux détenus le choix suivant. Soit ils abjuraient leurs idéaux révolutionnaires et promettaient fidélité et loyauté au régime, alors ils finissaient de purger leur peine. Soit ils seraient exécutés. Eh bien, la majorité d'entre eux a été exécutée. Thank you.
Voilà. Maintenant, ils donnent des noms de martyrs de la guerre aux rues. C'est tout ce qui reste aux familles de soldats. Des noms de rues. Quand on marche maintenant dans Téhéran, on a l'impression d'être dans un cimetière. Dieu, comme tu as grandi! Tu vas bientôt pouvoir attraper les couilles du Seigneur! Mamie! Alors, raconte-moi un peu. Ils viennent, alors? Ouais, ben, c'était différent. Tu te souviens de Mina? Bien sûr, c'est ma cousine Germaine. Elle s'est mariée. Elle a deux enfants. Ben, elle est aussi con qu'avant. Et Sheila, tu te souviens? Mais oui! C'est devenu un boudin. Elle a 10 milliards de poils sur son visage, on dirait un gorille. Et Mojé, tu te rappelles? Mamie, je me rappelle tout le monde. Elle a divorcé. Il paraît qu'il avait une petite bite. Enfin, c'est ce que dit Charlie. Hein. Enfin, elle l'a dit à Mary qui me l'a dit. Hein. Enfin, tu les verras tous bientôt. Hein. Oh non. Et si? Oh, tu dois bien parler allemand maintenant. Oui, un peu. Moi, je sais dire « ich liebe dich ». Quand je pense à Vienne, je pense tout de suite à Sissi, l'impératrice. T'as rencontré Romy Schneider? Marjane, mes étoiles brillent dans le ciel et toi dans mon cœur. Mais c'est quoi cette tête de nonne? On dirait pas que t'as vécu en Europe. Ah bon? Tu trouves? Allez, parle un peu. Tu dois avoir un milliard de trucs à nous raconter. Bah pas vraiment, je sais pas. Par exemple, dis-nous comment sont les boîtes de nuit à Vienne. C'est que je les ai pas beaucoup fréquentées. J'aime pas trop ça. Quoi? Tu as déjà couché avec un mec? Ben oui. Alors, c'est bien? Ça dépend avec qui. Quoi? T'as couché avec plusieurs mecs? Tu devrais t'inscrire au cours préparatoire. Tu devrais te faire refaire le nez. Tu devrais devenir cosmonaute. Tu devrais t'habiller mieux. J'en peux plus, il fait au moins 40 degrés dehors. J'en peux plus de porter ce truc. Maudite coiffeuse. J'ai Andine de mon fils. Oh, Anaïta, bonjour. Marjane vient de sortir. D'accord, je le lui dirai. Au revoir. Tu vas tout de même pas passer tout ton temps devant la télé. Tu voulais pas passer le concours? T'es en train de gâcher les meilleures années de ta vie. Mais bouge-toi un peu, va voir des gens. Change-toi les idées! Tout le monde me fait chier. Il y a bien des gens à Téhéran qui ont envie de revoir. Sur 7 millions d'habitants, il y a bien une personne que tu trouves pas con! Eh oui, il y avait Kia, mon amie d'enfance, que je voulais revoir. J'ai compris lorsqu'il a ouvert la porte ce que ma grand-mère entendait lorsqu'elle m'a dit. Il est presque mort. Kia a fait la guerre. Il a perdu un bras et une jambe. J'ai passé un bon moment avec lui. On a même rigolé. Après, je me suis dit que mes misères ne valaient pas grand-chose. Et oui, lui c'est toute sa vie qui est foutue. Et pourtant il arrive à en rire. J'imagine que c'est l'unique façon de supporter l'insupportable. J'aime beau me répéter ça 1000 fois par jour, j'y arrive pas. C'est insoutenable. Ce que j'ai vécu me pèse trop. Mais à qui en parler? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis entourée de gens qui ont tellement souffert. J'étais une étrangère en Autriche et j'en suis devenue une dans mon propre pays. Je vois. Votre maladie a un nom. Cela s'appelle une dépression nerveuse. Il existe de nouveaux traitements très efficaces. Je vais vous prescrire des médicaments. Tu es sûr que tu veux pas venir avec nous? L'air de la mer te fera du bien? Non, vraiment, j'ai envie d'être seule. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas.
petite, qu'est-ce que tu fais là? Je suis morte. Mais mon enfant, tu n'as pas compris que ton heure n'est pas encore venue? Ah bon? Ma fille, il va falloir te bouger un peu. Eh ben oui, il a raison pour une fois. Tu as encore plein de choses à faire. Allez, lève-toi et marche. Va et fais ce que tu as à faire. N'oublie pas, la lutte continue, hein? Ouais, ouais, la lutte continue. J'ai super faim. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas mangé ou quoi? Cette folle fait un régime. T'es tarée, t'es très bien comme ça. Son cousin lui a ramené un Vogue de l'étranger. Elle le lit sans arrêt, tout le temps. On dirait que t'as un ticket avec lui. Arrête, j'ai honte. Nous allons maintenant parler de Botticelli. Et en particulier, de la naissance de Vénus. On pourrait aussi appeler la naissance de Vénus le printemps, comme l'autre grande mythologie de Botticelli exposée aux offices. Dans ce tableau, nous retrouvons... Et vous, là-bas, je peux savoir ce qui vous fait rire? Combien on parie que j'enlève mon voile entre Vanak et Myrdamad? Ouais, c'est ça. Allez, combien? Je parie 400 toumans. Allez. En ce début des années 90, l'époque des grands idéaux était terminée. Après la Révolution, le gouvernement avait emprisonné tellement de lycéens et d'étudiants que nous n'osions plus parler politique. Et puis la guerre était enfin derrière nous. Nous recherchions tant le bonheur que nous finîmes par oublier que nous n'étions pas libres. Mamie, t'es là? Oui, je passe te voir. Eh ben, dis donc, tu t'es mis sur ton 31. Tu es amoureuse, toi? Oui, justement, j'avais rendez-vous avec lui sur l'avenue Jordan. J'ai eu chaud, hein. Les gardiens de la Révolution ont déboulé, et là, j'étais bonne pour qu'il m'embarque. T'as vu comment je suis maquillée? J'étais coincée, je savais pas quoi faire. Et puis, je me suis souvenue de ce mec qui me matait les fesses. Tu sais comment ils sont? Je me suis dit que la seule façon de m'en sortir était de jouer la pauvre fille sans défense. Mon frère, mon frère! Où est ma sœur? Il y a un homme qui m'a tenu des propos indécents. Il est où, salopard? Qu'on lui ferme sa gueule une fois pour toutes. Là-bas, sur les marches. C'est lui! T'as pas honte? T'as pas de mère? T'as pas de sœur? T'aimerais qu'on les insulte? Aïe! Mais j'ai rien fait! J'ai rien fait! Je le jure sur la tête de ma mère! Et qu'est-ce qu'ils ont fait du type?
Ils l'ont embarqué. Tu trouves ça drôle? Oui. Pas toi? Je trouve que tu es une sacrée salope. Voilà ce que je pense. Mais mamie, tu sais bien, j'avais pas le choix. Mais si. Si, tu avais le choix. Tout le monde a le choix. Tout le monde a toujours le choix. Tu as oublié que ton grand-père a passé le tiers de sa vie en prison pour avoir défendu les innocents. Et ton oncle Anouche, tu as oublié aussi pourquoi il est mort. Qu'est-ce que je t'ai appris? L'intégrité. Ce mot vous dit quelque chose, mademoiselle? Honte à toi! La dame avec le sac en bandoulière, arrêtez de courir! La dame avec le sac, arrêtez de courir! Hé, toi, ne cours plus! Madame, pourquoi couriez-vous? Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire, impudique. Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul! Mais putain, c'est pas possible. Où qu'on se place, on voit toujours la même chose. Tu parles d'un cours d'anatomie. Le seul truc qui dépasse, c'est son gros nez. Vous devez vous présenter immédiatement à l'université centrale. Tous ceux qui s'absenteront seront renvoyés pendant 2 semaines. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter n'importe comment. C'est du sang de nos martyrs qu'ont poussé les fleurs de notre révolution. Avoir une conduite indécente, c'est piétiner le sang de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Aussi, je demande aux demoiselles ici présentes de porter des pantalons moins larges et des cagoules plus longues. Qu'elles couvrent bien leurs cheveux et qu'elles ne se maquillent pas. Quelqu'un a-t-il une question? Sinon, la séance est levée. Oui? Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc., etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques, or, les frères ici présents ont toute forme de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais que, en tant qu'homme, puisse s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins? Ah, c'est bien. C'est comme si tu leur avais coupé leur petite bite. S'il te plaît, enlève cette saloperie de cagoule. Ça me rend claustrophobe. Je finis par oublier que je l'ai sur la tête. N'oublie jamais ça. C'est la peur qui nous fait perdre notre conscience. C'est aussi elle qui nous transforme en lâches. Tu as eu du cœur. Je suis fière de toi. Je veux partir d'ici. Pour aller où? Je sais pas, peu importe. Aux USA ou en Europe. Où en Europe? Je m'en fous, j'en peux plus de vivre en Iran. Et nous? Bah tu viendras avec moi. Je n'ai pas envie de partir d'ici. C'est parce que tu es encore nostalgique. Tu verras d'ici peu, les gens te dégoûteront à toujours se mêler de ce qui les regarde pas. Peut-être, mais en Occident, tu peux crever dans la rue et tout le monde s'en fout. T'en fais pas. On se débrouillera. Quelle est ta relation avec ce monsieur? Bien. Tu sais ce qui va arriver. On va appeler tes parents. Soit ils paient, soit c'est les coups de fouet. Ta mère et moi avions 15 ans. Nous nous promenions main dans la main. Ah là là, c'était dans ce même pays pourtant. Tu sais ma fille, la situation est comme ça maintenant. Il faut faire avec. Il faut que vous fassiez attention dorénavant. À mon avis, il vaut mieux ne plus vous voir à l'extérieur. Cette situation est vraiment intenable. On peut aller nulle part. Regarde, on est ici comme des prisonniers.
Mais c'est pas une vie, ça. Ouais. On n'a qu'à se marier. Alors ? Tu as pleuré, maman ? Non. J'ai toujours voulu que tu deviennes indépendante, éduquée, cultivée. Et voilà que tu te maries à 21 ans. Je veux que tu partes d'Iran, que tu sois libre et émancipée. Maman, c'est bon. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Hein? Mes clés de voiture. Je les avais laissées là, sur la table. Mais non, je sais pas où elles sont. Elles étaient pourtant là, hein. On partage plus rien. Mais vous allez si bien ensemble. Pour nous, vous êtes le couple idéal. Couple idéal, mon cul, oui. Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux ma photo, toi ? Connard. Arrête, je me souviens très bien. Il y a pas si longtemps, tu me disais que t'étais amoureuse. C'est facile d'être amoureuse quand tu vois quelqu'un 3 heures par semaine. Tant qu'on vit pas sous le même toit, c'est impossible de savoir. Tu comptes faire quoi ? Tu vas pas divorcer, quand même. Je sais pas. Eh ben, ma sœur a quitté son mari l'année dernière. À partir de l'instant où elle est devenue une femme divorcée, tous les hommes du quartier ont voulu coucher avec elle. D'abord le boucher lui a fait des avances, et aussi le boulanger, puis le marchand de fruits et légumes, et même les mendiants. Les hommes sont comme ça. Ils sont persuadés que leur machin est irrésistible, et qu'une femme divorcée n'a aucune raison de refuser leurs avances puisqu'elle est plus vierge. Alors tant que ta vie n'est pas un enfer, reste avec ton mari. Bah alors, faut pas te mettre dans cet état, qu'est-ce qui t'arrive ? Excusez-moi, mamie. Oui, mais c'est pourquoi, ce gros chagrin ? Mamie, c'est terrible. Qu'est-ce qui est si terrible ? Je crois que j'aime plus Reza. Je pense que nous allons nous séparer. Ah ! Ah, c'est ça ton truc terrible ? J'ai cru que quelqu'un était mort. Alors toi, n'importe quoi, hein ? Tu sais que je suis cardiaque, mais tu me fais des coups pareils. Toutes ces larmes pour une histoire de divorce. Écoute-moi bien. Moi, je l'ai fait il y a 55 ans. Et je peux te dire qu'à l'époque, personne ne divorçait. Je me suis toujours dit que je vivrais plus heureuse seule qu'avec un chieur. Mais... il n'y a pas de mais, je te dis. Un premier mariage est un brouillon pour le deuxième. Tu seras plus comblée la prochaine fois. Mais tu pleures parce que tu t'es gouré. C'est dur d'admettre ses erreurs, hein?
T'étais où? J'étais super inquiet, t'aurais pu m'appeler. Nima est mort. Hein? Quoi? Nima est mort. Je te quitte. Le moment était venu pour moi de partir. Je décidais de venir en France. Il me fallut attendre 3 mois avant d'obtenir un visa. Je partis en voyage avec ma mamie sur les bords de la mer Caspienne, où je remplis mes poumons de cet air si particulier. Un air qui n'existe nulle part ailleurs. Puis j'allais sur la tombe de mon grand-père et je lui promis qu'il serait fier de moi. Enfin, j'allais derrière la prison, où reposait le corps de mon oncle Anouche, quelque part, aux côtés de milliers d'autres innocents. Je lui donnais ma parole d'essayer de rester aussi intègre que possible. Et puis le jour de mon départ arriva. Mon père pleura, comme d'habitude. Cette fois, tu pars pour toujours. Tu es une femme libre. L'errand d'aujourd'hui n'est pas pour toi. Je t'interdis de revenir. Oui, maman. Mamie? Ma petite fille. Je n'ai jamais revu ma grand-mère. Elle mourut peu de temps après. La liberté a toujours un prix. Quel temps. Vous arrivez d'où? D'Iran. Mamie, tu sens toujours bon. Comment tu fais? Ben tu vois, je cueille des fleurs de jasmin tous les matins. Et quand je m'habille, je les glisse dans mon soutien-gorge. Et comme ça, je sens toujours bon. Oh, c'est super!